Ce déjeuner offert par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, à l'honneur de son homologue bissau-guinéen, Oumarou Sissoko Ambalo, venu pour participer aux festivités entrant dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, témoigne le renforcement des relations exemplaires existant entre la Guinée-Bissau et le Niger. Au cours de ce déjeuner d'amitié, le président bissau-guinéen a élevé le chef de l'État Mohamed Bazoum à la plus haute distinction de son pays pour son engagement, son leadership, son mérite à consolider l'excellence des relations dans un esprit de solidarité et sa capacité à relever tous les défis. Quant à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, il a reçu la plus haute distinction de la Guinée-Bissau en reconnaissance de sa contribution prépondérante apportée à l'unité africaine, à la coopération de la sous-région et surtout sur le rôle qu'il joue dans la recherche de la stabilité dans l'espace de la CEDEAO. Le directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani, il a reçu la médaille de l'Ordre du Mérite National de la Coopération de la Guinée-Bissau pour le raffermissement des liens de coopération. C'est dans une ambiance empreinte de chaleur et de poignées de main qu'a pris fin ce déjeuner à la grande satisfaction des deux présidents unis par les liens d'amitié.